Oh merde, je suis pas habituée. C'est bon là, vous m'entendez? Allô, allô, ASMR. Vous m'entendez? C'est bon. Donc je recommence, je disais bonjour à tout le monde. Salut Kikum. Ah, salut Kibou. Salut Chino, salut Pain, salut je sais ce que j'ai perdu. Coucou Oli, Carker. Hello Grabs. Salut Joanne, comment ça va? Salut Tato. Allez, c'est vert, tomate, oignon, c'est ça. Eh, ça va être une catastrophe, j'ai jamais joué. Hello Jesse James. Salut Heavy Metal, comment ça va? Salut Clen. Bon, est-ce qu'il y en a qui ont déjà joué à ce jeu? Savoir si je vais avoir de l'aide. Depuis le temps qu'on attendait ce stream du midi. Ouais, c'est vrai. C'est grâce à toi, Kimou, en plus, que je joue à ce jeu, hein. Salut Calidon. Coucou Roelm, comment ça va? Bon, personne n'a jamais joué? Ça craint, non? Coucou Xub. Bon, j'espère que ça va le faire, hein. Franchement, j'ai essayé tout à l'heure, c'est un peu une catastrophe. Popole au fourneau. Ouais, alors déjà que dans la vraie vie, c'est pas ça. Alors, en jeu. Coucou ce cake de ouf. Carker. Bon, allez. On va se lancer, mais je vous dis, hein, ça va être une catastrophe. Hein. Il va falloir m'aider. Hein. Bon, on va faire son tuto. Ouais, tout à l'heure, j'ai fait un peu vite fait. Je sais même plus, je sais comment c'est avec le téléphone, non? Je sais même plus comment on fait. Attendez. Si, j'ai l'impression que ça bouge trop, non? Attendez, j'essaie de régler la sensi. Bon. Non, attendez, je règle la sensi, sinon pour vous, ça va être infâme. Sensi. On va essayer comme ça. Ah, ça va être mieux, non? Alors. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Ah si, c'est bon. Alors, nouvelle commande. J'ai acheté deux recettes tout à l'heure. Par des pâtes au beurre. Bah, ça serait plus simple, ouais, des pâtes au beurre. Mais là, je crois que là, j'ai de la soupe de tomates et du poisson, je crois. Bon, attendez, on va regarder la commande de quelqu'un. C'est où? Ouais, voilà, je vous disais la soupe de tomates, là. Par contre, j'ai l'impression vraiment que ça bouge beaucoup. Vous me dites, c'est... Si pour vous, c'est pas cool. Alors, ajouter dans une casserole du bouillon. Mais je crois que j'ai rien de tout ça, hein. Mais tout à l'heure, j'avais acheté plein de trucs. Oh, je vais tout refaire. Et en plus, je trouve que ce qui est chiant, c'est que t'as une musique d'attente, genre qui est trop cool. Et là, tu l'as plus. Grande casserole. On va acheter ça. Acheter. Ah. Oh non, attendez, ça va le faire. Attendez, faut quoi? Dans une casserole de bouillon de poulet. Tu peux te faire péter la cuisine avec des bouteilles. Ah bon? Ah là là, non? Non mais attends, je sais pas s'il y a un temps, tu vois, genre si le client il attend trop longtemps, si ça va pas poser un problème. Le mal de mer et les cadeaux. Mais ouais, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. J'ai déjà baissé la sensi. Hein. Attends, je recommence. Lissage, c'est ça le lissage? C'est quoi le lissage de la souris? Attends, je vais rebaisser encore la sensi. Ah, c'est mieux. Regardez ça. C'est mieux, là. C'est mieux? Ouais, c'est mieux. Il y a des points sur le temps de préparation. Holy shit. Hey, comment ça va? On est mal barré, hein. Bon, alors, attendez. Du coup, elle est où, ma casserole? Ma casserole est là. Qu'est-ce qu'il faut que je mette dedans? On va faire au fur et à mesure, hein. Mixer, faire bouillir du bouillon de poulet. Du coup, il faut acheter quoi? Du poulet? Merde. Merde. Bon, attendez. Jeter, Y. Ah, je vous dis, on est mal barré, hein. Bon, attendez, je vais me reposer. Mais c'est quoi cette merde? Attendez. Je suis bloquée. Attendez, je vais... Mais... Je fais quoi avec mon truc? Jeter. Ah.
C'est bon. Alors du coup, dedans, il me faut du bouillon de poulet. Du bouillon de poulet. Et on est mal barré, hein. Je vous dis, je vais fermer vite. Hein. Il y en a qui ont déjà joué ou pas? Du bouillon de poulet, comment on fait du bouillon de poulet? Oignon, tomate. Ah, bouillon de poulet! Mais bon, attendez. Pourquoi ça coupe pas? Oh, c'est quoi ce truc? Attendez, on va y arriver, hein? Enfin, je pense. Enfin, j'espère. J'arrive pas à mettre du bouillon. Ah, pencher la bouteille, attendez. Il en faut combien? Stop! Bon, allez, on va dire que c'est bon. Ok, le bouillon, c'est bon. Après, du sel. Du sel, du sel, du sel, du sel. C'est où? Ustensile. Non, liquide. Non. Du sel. Vas-y, achetez. Merde. Je vais en mettre dedans, là? Allez, vas-y, on va dire que c'est bon. Après, ensuite. Faut du poivre. Mais il faut trop d'aliments là-dedans. Du poivre. Salut Donfoon! Comment ça va? Mais non, mais arrêtez de dire rip le plat et ça va être très bon. Mais là, on dit... Je sais pas si on a vraiment l'impression qu'on met du... On va dire que oui, hein. Alors ça, c'est bon. Après, il faut quoi? Vite, je suis en train de me dépêcher en plus, hein. Vous sentez le stress ou pas? Merde. Piment de Cayenne. Acheter. Il en faut combien? Piment de Cayenne, il en faut 6. Ok, ça c'est bon. Ensuite, tomates. C'est là-dedans les tomates. C'est bien, c'est que j'achète tout dans un carton, c'est pratique. Merde, mais il faut la... Faut la couper, non? Couteau. Vaut mieux la couper, non? Non? Je la fous comme ça? Il me faut ce jeu. Mais non, mais je la coupe, non? C'est trop bien. Oh là là, c'est trop satisfaisant. Juste pour ça, faut l'acheter, j'avoue. Ça y est. Oh non, c'est trop bien. Bon, allez, c'est bon, j'arrête. Ok. Merde, comment je fais? Attendez, mes tomates, je peux les ramasser ou pas? En fait, j'aurais dû faire... Non, mais c'est horrible. C'est horrible. Ce jeu horrible. Faut combien de tomates? Ah, puis c'est en grammes. On n'a pas... Ça fait combien de tomates, 900 grammes? Bon, je vais foutre à l'arrache. Je crois que je suis en retard. Hein. Attendez. Acheter. C'est prêt? Oui, c'est en train, ça chauffe là. Ah, mais ouais, en plus, il faut que je fasse cuire le truc. Mais c'est vachement dur en fait ce jeu. C'est combien 1 kg de tomates? 5 tomates, non? Ouais. Après, ok, tomates et oignons. Oignon, un oignon. Ah, il est déjà épluché, impeccable. Ok, faire bouillir. Ok. Je
Ça boule là-dedans. Y a pas un minuteur? Ah si. Putain, mais c'est trop bien ce truc, hein. Attendez. Faire tourner. Comment on l'enclenche? Bon, c'est pas grave. Mixer. Oh, le temps était passé? Shit, shit, shit. Panique! Panique à bord! Moi, je vous dis, ça va être réussi. Bon, on dira pas qu'il est passé par terre. Ah. Mais c'est quoi ce truc? Dark Soul Cooking. Salut Persiane! Comment ça va? Ça marche là ou pas? Déplacer vers le bas. Ah ouais, bah non, ça marchait pas, ouais. Bon, ok. Ok, ça c'est bon. Bah, c'est bon, non? Ah non, il faut de la crème fraîche. Alors, liquide. Crème fraîche. Acheter. Alors, attends, il en faut combien? Mais il doit y avoir un truc pour mesurer, je pense. Hein. Ah bah, c'est marqué là. Oh. Oups. Verser le liquide dans une assiette creuse. Oh my god. Servir. Chaud. Attends, on va le remettre à chauffer, non? Ah bah, j'avais pas éteint le gaz. Vas-y, attends. Une assiette. Assiette, assiette, basique, assiette. C'est quoi une assiette creuse? Ça. Voilà. Mais non, c'est une petite assiette. C'est quoi une assiette creuse? Un bol, non? Ou un plat? Y a pas d'assiette creuse. Allez, on va dire que c'est ça. Attendez. Comment on fait? J'y arrive pas. Je parie deux étoiles. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non, non, alors là je suis au bout de ma vie. Attendez, non. Attendez, on a mis déjà 10 minutes à faire le... Et on peut pas acheter en plus. Eh, vous vous moquez, mais je suis sûre que vous ferez pas mieux. Bon, on va dire 5 tomates. Hein. On était parti sur 5 tomates. Ah ouais, après, oh, je suis obligée de tout reprendre. Bouillon de poulet. Il n'y en a plus? Allez, comme par hasard, il n'y en a plus. Bon, ok. Allez hop, poubelle. Bouillon de poulet, bouillon de poulet. Acheter. Oh non, non, Kimou, pas de clip. Faut pas de preuve. Faut pas de preuve. Attends. Je sais plus combien. Ah non, mais j'ai une autre commande. Ah, mais la première, elle a été annulée. C'est une blague ou quoi? Attendez. Merde, elle est où ma première? Super Meat Boy se voit stressant. Ah, vous sentez le stress aussi? Non, elle a été annulée. Ah. Ok, on recommence. Prendre du saumon. Attendez, je vais prendre une assiette. Non, je vais prendre le... elle est où ma planche à découper? Elle est là. Ok. Du saumon. Du saumon, du saumon, du saumon.
Ok, saumon. Après, donc saumon assaisonné, le sel. Ouais, j'en ai peut-être trop mis, c'est vrai que c'est déjà salé le saumon. Coucou Arcanon, comment ça va? Kerker Johan. Bah là, mon saumon, il va pas être Kerker. Hein. Alors attends, là déjà on a gagné un peu de. Tu vois, on gagne en temps là. Je dis ça, il me faut plein de trucs. Ah mais il y avait des assiettes là. Je sais pas si je peux les. Ah si, je peux les prendre. Ah ouais. Merde, non, non, non. Je stresse en plus, hein, je vous assure, hein, c'est stressant ce jeu en fait. Une poêle. Une poêle. En plus, il y a un jour où je vais plus avoir de sous, bah ouais. Ah bah tiens, je le fais. Ok. De l'huile. Liquide, huile. Acheter. Ouais, plein de gras. C'est bon, gras. Le gras, c'est la vie. Attendez. C'est là où il faut que j'y arrive à maîtriser le truc, là. Attendez. Ah, bah, c'est pas maîtrisé, hein. Non, mon saumon! C'est pas grave. Non, mais. On s'en fout, toi. Mon saumon, il est où? Vous avez rien vu, hein. Mon saumon. En fait, genre. Ah, puis il y a un caca dessus. Attendez, ça doit cuire combien de temps? 60 secondes de chaque côté. Il me faut un ustensile. Vite, 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 le stress, le stress. La spatule. Bon, en tous les cas, il n'y a pas que dans la vie où je suis pas douée pour la cuisine. Du coup. Mais non! Oh! Et c'est une vraie maîtrise de cuisiner. Hein. C'est un vrai talent en fait. C'est pas pour tout le monde. Bon, il sera cuit d'un côté. Hein. En plus, c'est le côté. Oups. Bon, allez. Je peux pas prendre ma poêle? Ma poêle? Je peux pas prendre ma poêle? Mais je peux pas prendre ma poêle! À l'aide! Mais ça je crois qu'il est pas en multi, mais ça en multi ce serait trop bien, comme ça il y aurait plusieurs personnes qui pourraient faire. Bon bah rip. Et je peux plus rien faire. Bon attendez, je vais essayer autre chose. Le temps est dépassé! Ah shit! Mais comment ça se fait que je peux rien prendre comme ça? Je suis bloquée. On a perdu le jeu. Bah, pas que le jeu, hein, je crois. Un altab. Tu crois que ça a changé quelque chose? Je suis pas sûre. Putain. Oh merde! Je peux même pas faire échappe. Alt F4, non mais c'est bon, Inad, ça je connais. Hein. C'est une fois sur GTA, quand je commençais GTA, on m'avait dit, ouais, appuie sur F pendant que j'étais en moto. Je crois, on m'avait dit, appuie sur F, tu vas voir ce que ça fait. Bon, bah là, je suis. Fais voir, est-ce que je peux prendre un autre truc? Comment ça se fait que je suis bloquée comme ça là? Ah mais c'est peut-être en fait pour ça en fait. C'est parce que ma recette elle était en attente et du coup recherche une partie. Non mais c'est ça en fait. C'était bloqué à cause de la recette je crois. C'est moi qui suis.
Bon, bah, du coup, ça, j'en fais quoi? Bah, je vais pas repartir sur ça, si. Bah, non, en fait, c'était pas Marcette. Mais c'est trop chiant. On va tout relancer, hein. Ouais, je sais pas, c'était trop chiant. C'est fond d'écran. C'est pas moi qui ai choisi le fond d'écran. Je me dédouane de toute, de toute responsabilité. T'as zappé le tuto? Non, non, je l'ai fait le tuto. Je l'ai fait juste avant en fait. Mais ben non, mais ça marchait bien juste avant. Hein. T'as pas vu mes talents de cuisinière avant? Mais c'est juste que ouais, c'est pas. Oh, c'est vraiment trop chiant quoi. Moi je vous dis, je suis pas fait pour jouer. Hein. Alors, allez, on y retourne. Allez, on y retourne avec le saumon. Ah ouais, mais du coup. Ah ouais, faut que je rachète tout. Attends, je vais reprendre le carton là. Non, 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 non. L'idée de prendre le carton juste à côté, c'était une bonne idée ça. Bon, c'est pas grave. Alors. C'est quoi qu'on fait? C'est le saumon, hein. Attendez, on va mettre ça sur le feu déjà. Hop. Et la casserole pour les pommes de terre. Mettre ça là. Ok. Alors ensuite, on fait quoi? On fait les pommes de terre avant, non? Ajouter dans une casserole de l'eau. Attends, faut que j'arrive à reprendre un carton là, comme j'avais fait. Heureusement, j'ai pas allumé le feu. Hein. Hello, Figua du. Fidewa. Ok, ça c'est bon. Des pommes de terre. Ah oui, mais en plus, je dois faire une patate par une patate, non? Il y a peut-être un moyen d'en acheter plusieurs en marque. C'est quoi ça? Ils ont pas dit mettre de l'huile, hein. Je crois pas, hein. Si? Oh. Ah, il faut du sel. Faut combien de patates? Attendez. 300 grammes. Vous savez combien de patates? 300 grammes. Je dois vous donner le tournis, non? Ah merde, mais pas. Ah oui, non, mais c'est qu'il faut viser. Non, mais c'est une blague. Attends, c'est une blague que tu peux pas mettre les patates comme ça dedans. Ah ouais. Ce jeté de patates. Et il y a un truc à faire, hein. Attends, je vais remettre de l'eau, non? Avant de cramer mes patates. Maintenant, j'ai trop pointillé le jeu, là. Je crains, tu vois, c'est si on met pas assez d'eau, ça. Je sais pas, je vois pas l'eau monter. Bon, allez, vas-y, on va dire que c'est bon. J'entends que ça coule encore. Je sais pas si c'est normal. Je pense pas. Du sel.
Merde. Ok, ça c'est bon. Ensuite, faut quoi? Du saumon. Ah, mais ça, le saumon, je sais pas comment on le retourne. Du saumon. Ah, j'ai pas mis d'huile. De l'huile. On n'a rien vu. Ok, donc là c'est bon. Attendez, je relis la recette. Salut Baka! Comment ça va? Alors, du coup, l'huile c'est bon, saumon c'est bon, patate c'est bon. Il n'y a plus qu'à faire chauffer là, on est d'accord? Ah non, j'ai pas mis de sel et de poivre sur lui, sur le saumon. Attendez. On va pas trop en mettre et on va mettre du poivre. J'ai pas de poivre. Je pense que là c'est bon, là on est bien parti. Hein. Après il y a juste à chauffer. Et le temps qu'on chauffe, on met les plats et après c'est bon. Hein. Je pense. Ouais, il suffisait de prendre le. Ok. Ok, alors c'est bon, du coup. Voilà, ok, c'est bon. Après, une assiette. Attends, on va mettre ça là. Après, faut faire quoi? Mettre les pommes de terre dans l'assiette et servir chaud. Ok. Bon, bah, je pense que c'est bon, non? Coucou, Talak! C'est un peu une catastrophe. Comment ça, c'est une catastrophe? Ouais, c'est pas. Je suis pas faite pour la cuisine. Et ben moi, ça m'a donné faim, donc je vais aller bouffer. Tu vois? Ah! Ah, bah tiens, regarde, j'ai pas allumé le bon feu. Mais tu sais que ça fait peur. On t'imagine chez toi toute seule et ça fait peur. Vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Bon allez, on va dire que c'est bon, mais attends, comment je sors les patates? Attends, il me faut un. Ça s'appelle. Oh non, mais quand je vais faire tomber les patates, je vais en mettre partout. Passoire. Attends. Je mets ça là-dedans? Ok. C'est là où c'est compliqué, je pense. Attends. Ok. Yes. Allez. Est-ce que ça va me brûler les mains? Ah oui, je peux pas. Je peux prendre la patate comme ça? Ah non, c'est chaud. Elle est où mon assiette? Vite, mon saumon. Là, vous voyez là comment ça sent bien là? Merde, il y a du liquide. Je ferme du coup. D'accord. À tout à l'heure. Merde, je peux. Un ustensile, vite. Mais là, c'est bon, normalement, je peux l'envoyer, je pense. Hein. Tiens, une pince. Je pense que je l'envoie chaud là. Allez, pourquoi je peux pas? Vas-y, on s'en fout. Allez hop. Non, 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 non. Non, le temps il est pas dépassé. Non. Non, mon saumon. Non, je veux finir avec mon saumon. Non, ça aurait pu être une fierté. Mais c'est pas possible. Oh. Je l'ai là, non? Ah, c'est bon. Attendez, j'envoie quand même mon assiette. Hein. C'est pas grave. Hein. C'est où qu'on envoie? Ah, c'est là.
Comment on fait? Vas-y. Ouais, je serre. Ouais, je serre, je serre, je serre. Allez, vas-y. C'est pas mal, non? Il y a un peu de retard, mais ça va. Score. Je suis à la moitié. Bon, attendez, est-ce que je dis ça, mais il y a le réclamation client, il y en a ou pas? Température parfaite. Technique parfaite, on va dire. Hein. Et puis voilà, impeccable, allez. Du coup, j'ai un pourboire ou pas? Le client, il a payé assiette. Ouais, bon, allez. Bon, alors, du coup, l'autre. Alors, ah non, mais ça, c'est trop compliqué, par contre. Manque d'assaisonnement. Mais non, c'était bon. Bon, il manquait peut-être une patate, ouais, je suis d'accord, Cardine. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est au moins, il y a eu quelque chose, tu vois. Et au moins, j'ai ce mérite. C'est que je suis arrivée au bout. Ah non, mais attends, une casserole, j'en ai une. Ma casserole, elle est où? Oh, attendez, par contre, je vais tout faire cramer. Ok. Ma casserole, vas-y, on la reprend. On la lave ou pas? Peut-être, hein. C'est une blague? Hé! Attends. Ah non, mais attends, je tourne le... Attends. Attends. Comment on fait tomber l'eau? Bon, écoutez, on va... Hein? Allez hop, elle est propre. Allez, on envoie. On enchaîne sur quoi du coup? Alors, sur les... Faut tourner les trucs. Bah oui, mais j'y arrivais pas. Allez, non mais c'est pas grave. Allez, on enchaîne. Ça va, est-ce que c'était des patates? Les patates, ça a pas de... Tu vois? Bon, on verra après. Alors... on y retourne, bouillon de poulet. Mais ça, est-ce que je peux pas reprendre le... Attraper, mais oui, c'est avec le... Attends, tu sais quoi, on va mettre ça là. Et voilà. Au moins, on n'a pas besoin. Alors, tomates, acheter. Tomates, merde. Acheter. On tient le truc là, hein. Bon, moi, je préfère manger quand même. Cuisiner, mais hello, Silenius, comment tu vas? Alors, poulet, on va tout foutre. Hein. Poulet liquide, poulie. C'est vrai que ça donne faim hein, de faire ça. Hein. Ok, ça il en faut, c'est bon du bouillon poulet. Ok, bouillon poulet. Ah, il en fallait 700, j'en ai pas mis assez. Ok, on y retourne. Ah oui, c'est vraiment, ça baigne dedans, quoi. Ça fait beaucoup, 700, non? Du bouillon de poulet. Ah ouais, Mehdi, t'as raison. Je suis en train de galérer, en fait, à en acheter. Mais en fait, je peux... Ah mais ouais. Est-ce que... Me dis pas qu'on peut en prendre plusieurs. Oh, ah non, c'est bon. Oh, mais du coup, j'avais assez de tomates, je pense. Bon, c'est pas grave. Au moins, on expérimente. Alors, du coup, le sel. Faut saler. Voilà, remarque, le bouillon de poulet, c'est bien salé. Hein. Alors, ensuite, ça. Allez, hop. Ça, ensuite. Du poivre. Ah, il en faut vachement, mais en fait... Attends. J'en ai mis 7. 7 pour aller à 12, c'est 5. Bon. Du sel, hein, piment cayenne. J'en ai pas acheté, par contre. Et attendez, il faudrait que je regarde s'il n'y a pas un décompte, genre. Ah, s'il y a un décompte 3 minutes. Oh, vite. Non. Voilà, ça y est, je stresse. Enfin, il en faut combien? Ok. Piment cayenne, c'est bon. Tomate, c'est bon. Oignon. On va dans la réserve. On fait des économies. Allez, on en achète un. Un, ça suffit. Hein. Oignon, 120 grammes. On va en prendre deux. Hein. Ah merde, non, c'est 120 grammes.
Non, 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 je reviens pas. Jetez. Bon alors, ok, l'oignon, hop. Du coup, faire bouillir. Je sens... Ma tomate? J'allais dire je sens bien, mais en fait, peut-être pas. Hein. Ok, bon là, je sais pas. Commuter. Il n'y a pas assez de rats. Attends, un kilo de cayenne. Non, mais c'est... je fais comme ils disent. Hein. Après, mixer... Ah, faut ajouter de la crème. J'en avais quelque part de la crème ou pas? Non, je vais acheter de la crème. Liquide, crème fraîche. Acheter. Je vais la mettre dedans. Hein. Non, je vais attendre. Attendez. Hop, on va mettre ça là. Et on va mettre ça là. Et toi, on va te mettre là. Et du coup, on va faire ça là. Tu ne peux pas remonter le temps. Oui, bah ça... Hein. Tu préfères Cook, Serve, Delicious? C'est quoi? Mais c'est un jeu en multi, ça, non? C'est quand vous êtes plusieurs et... Bon, là, ça doit être bon, ça, en vrai. Attends, c'était comment, déjà? Merde, comment je faisais? Mince, comment on faisait? Ok, donc là c'est bon. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, ajouter la crème. J'ai pas regardé combien il en fallait. Ah, il en faut une bonne dose, hein. C'est bon la crème. Hein. Allez hop, 50. C'était combien qu'il fallait? 150. Bon, il y en a pas assez. Donc, j'en rajoute 100. Je suis dedans, là? Ah oui. Oh, c'est blanc. Il y a trop de crème. Et du coup, verser le liquide dans une assiette creuse. Bon, attendez, je vais remettre à chauffer. Ça va un peu épaissir le truc. Mais non, il n'y a pas de temps dépassé. Attends. Non, 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 non. Ok, ça, c'est là où ça va être une catastrophe. Attends. Là, il me faut un truc. Non, 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 non. Je vais servir comme ça. Ustensile. Non, 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 non. Attends. Je suis avec quoi? Ah, il y a des bols en plastique. Mais non, mais comment je fais? Ah non, mais là, je suis dans la merde. Hein. Je peux pas transverser. Je vais en mettre partout. Oh. Allez, encore un peu. Allez. Hop, c'est bon, on serre. Allez. Vite. Ouais, 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 on serre. Je pense que c'est bon, là, non? Eh. Renommée. Eh, 7 sur 30. On est bon, là, non? Moi, j'ai pas de pourboire, mais c'est mieux. C'est mieux, non? Allez, si, c'est mieux. Non, mais c'est chaud, Damien, quand même. Hein. Bon, allez. Nous allons plus prendre commande pour aujourd'hui. Finis ce que tu es en train de faire. Prépare-toi à demain. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut ranger, ça, non? Est-ce que vous pensez qu'il y a une éponge? Putain, mais en plus, il faut faire le ménage, quoi. Est-ce qu'il y a une éponge là-dedans? Éponge. Oh, c'est beau. Acheter. Non, mais... Nettoyer. Attends, c'est quoi? Bon, c'est lavé, non? J'y arrive pas. Nettoyer. Ah non, c'est X. Bon, bah écoutez, ça va rester sale, hein. Attends, on va éteindre ça par contre. Ah mais j'en avais plein en fait des éponges. Ah ouais, mais mes patates.
Bah, elles sont plus chaudes, les patates, là. Bon, on est bien, comment on passe à demain? Sauter la phase de nettoyage. Je vais avoir des problèmes si je nettoie pas, non? Faut peut-être mouiller l'éponge. Bah oui, mais j'ai pas réussi à allumer le robinet tout à l'heure. Attends. Éponge. Bon, et hop, c'est quoi? Voilà. Et là, ça marche ou pas? Non, mais il y a un truc que je maîtrise pas, là. Attends. Ça va trop vite, les bidules, là. Nettoyer, eux. Ah! C'est bon, je maîtrise. C'est bon, j'ai compris. C'est vachement bien. Et ça aussi, c'est vachement satisfaisant. Hein. Ce jeu est très satisfaisant. Ce jeu est très satisfaisant. Vous savez, les trucs de satisfaction. Du coup, je peux... Non, là, je peux pas. Ok, merde, mon éponge. Bon, attends, c'est pas grave. On va mettre ça. Oh, mais c'est super chaud, hein. Allez. Bon. Ben, on rachètera des trucs neufs. Hein. Tu sais, c'est comme ceux qui mangent avec des trucs en plastique, là. Tu sais, ben, au moment où t'as pas nettoyé. Moi, je mets des choses à la poubelle. On évolue. Coucou Hélène. Hélène, comment ça va? Faut être créatif un peu en cuisine. Non mais c'est sûr Émeric, mais justement, il faut aimer la cuisine quoi. Allez. Un peu d'eau chaude. Est-ce que je peux prendre l'éponge? Merde. C'est quand même... C'est quand même très... technique, hein, mine de rien. Bon, là, ça doit se laver, non? C'est propre, non? Comment c'est quand c'est propre? Ouais, ça doit être propre. Attends, et là, les patates, du coup... Ah ouais, je peux, là. Je vais sortir de là. Très compliqué ce jeu. Merde. Allez hop, impeccable. Wouhou, c'est propre. Faut vraiment... Oh non, faut arrêter avec les clips. Hein. Allez, j'ai augmenté encore. Ah non, je suis bénéfice total, moins 300. Ah ouais. Oh, c'est pas beaucoup. On va peut-être fermer plus tôt que prévu, hein. Non, par contre, c'est vraiment chaud, hein. T'as pas coupé l'eau? Je vois pas de quoi tu parles. Alors, attends, choisis, on peut choisir un truc. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a les mains stables. Bon, ça va, je suis stable. Assiette incassable, j'en ai pas cassé. Gants. Résistant à la chaleur. Ouais, remboursement, longue portée, ça non. Bouteille incassable, peut-être, non? Ouais, bouteille incassable. On part sur ça? Recevez 3 points de compétences en plus si vous ne débloquez pas de percs. Ouais, mais ça, de toute façon, je suis pas bouteille incassable. Hein. Expert, les gants. Ah, mettez-vous d'accord, hein, par contre. Hein. Expert? J'hésite entre expert et bouteille incassable, quand même. Pied rapide. Oh non, vous faites exprès. Tu peux scroller. Ah ouais! Alors, ouais, mais là, ça fait encore plus de choix. Vision thermique, non. Connexion, non. Journée bien remplie, non. Ralentissement... Non, non. Allez, on retourne vers le haut. Ah, analyseur de plat. Touche magie. Oh, c'est vachement bien, ça, la touche magie, non? Comme ça, on peut, tu vois, on peut salir des trucs et puis après, youp. Non? C'est pas mal, ça. Ouais, on peut remonter le temps, les gars. Et là, c'est quand même super...
Touche magique, c'est cool, tiens. Ah, Hélène, elle est d'accord avec moi. Oui, pour la touche... Allez, allez, un peu de magie dans ce monde de... hein, dans cette cuisine un peu... Oh, alors, attends, améliore tes compétences. Boost du revenu de repas. Non, mais il faudrait un boost de... Tu sais, de temps, en fait. Décoration moins chère, boost de l'expérience, série de plats. Je comprends pas, faut choisir un truc, là, non. Non, là, c'est bon, non. Point de compétence 3. Améliore tes compétences. Bah si, non, faut choisir des trucs. Oh, oh là là, là, c'est trop dans la stratégie, là. De toute façon, réparation des machines, on en a. Meilleur pour boire, c'est pas mal, ça. Boost de skill. Non, les... oh ah non, attends, plus rapide. L'équipement, nanana, plus rapidement. Mais non, on s'en fout, ça. Moi, je dis ça, non. On peut en choisir plusieurs. Mais non, en plus, on peut en choisir qu'un. Niveau supérieur. Vas-y, c'est trop nul. Le temps supplémentaire disponible pour servir le plat. Ça, je prends. Ça, ça, ça. Ça, c'est pas mal, non? Temps supplémentaire prolongé. Salut, Kazerja. Non? Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Hello, Poirez. Bon, allez, moi, je dis sur ça. Mais par contre, comment on valide? On fait quoi? Journée suivante ou niveau supérieur? Allez, go. Ouais, il a dit go. Alors. Ah, mais si. Attends, donc, du coup, ça, je peux. Après, je dois pouvoir resélectionner le truc. C'était quoi que tout à l'heure? Meilleur pour boire. Vas-y, ça, on prend. Et c'était... Après, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Boost de réputation? Ah, mais non, on va avoir plus de commandes. Hein. Reprends du temps. Ah ouais, vas-y, 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 on reprend du temps. C'est quoi le truc du temps? Ok, c'est bon. C'est bon, là? Ok. C'est bon, hein? Je sais pas. Non, trop tard. Putain. Merde. Bon, bah, on passe à une journée... Il te manquait un point. Bah, c'est pas grave. Allez, on y va au feeling. C'est pas grave, mais oui. Patate, c'est pas grave, tiens, quand on parle de voilà. Faut, tu vois, il faut donner un peu de challenge, tu vois. On se dit, là, vas-y, on prend pas tous les points. Au moins, bah, tu vois, c'est, tu comprends. Là, ça devient chaud, là. Prendre une truite assaisonnée. Placer sur une plaque de four. Ok, plaque de four, plaque de four. Ça doit être dans le four, non? Ah oui, c'est vrai que ma cuisine, elle est bien dégueu, là. Plaque de four, j'en ai pas. C'est quoi ce que j'entends, là? Bon, bah, au moins, on va payer, on va avoir une bonne note. Tu peux jouer aux fléchettes avec les couteaux. Je sais même pas si j'ai des couteaux quelque part. Je sais même pas, j'ai pas acheté un seul couteau, je crois. Regarde. Ah, mais j'avais plein de trucs, là. Ah ouais. Bon, c'est pas grave. Du coup, attendez, je perds du temps, là. Vas-y, plaque de four. Achetée. Ok, c'est bon. Après, faut quoi? Une truite. Je suppose que j'en ai pas dans ma réserve. Bah, non. Alors, une truite dans mon carton. Une bonne truite du carton. Une truite. C'est bon, on a. Alors, une truite. Qu'est-ce que j'en fais de ma truite? Faut l'assaisonner. Ok. Ok, j'en ai trop mis. C'est pas grave. Après. Ok. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et de la nette. De la nette. À quoi ça ressemble la nette, ça? Mais non, Baka. Oh, comment Baka, il doute de mes compétences. La nette, c'est bon, il faut en mettre plein. Du coup, placer la plaque au four, faire cuire pendant 90 secondes. Ok. Ok, c'est bon, hein? Ok. Ok, mais ça, j'aimerais bien savoir le faire marcher, là. Régler la minuterie. Ah. Attends. Merde. Non. C'était quoi, 80... Là, mais là, je perds plein de secondes, là. Non. Oh, c'est quoi, ce truc? Allez, vas-y, 50 secondes. Vu le temps que j'ai mis à régler ça, de toute façon.
Je ne doute pas, je pose des questions. Des questions qui ont, une orientation d'opinion quand même. Il y a d'autres fours. Ouais, il y a d'autres fours, patate, là, regarde. Pourquoi il n'est pas bien, mon four? Pourquoi tu juges mon four? Il est bien, non? Bon, attendez. Oh, vite, attendez, parce que là, je perds du temps, du coup, il faut du citron. Vite. Un citron. Un citron que je prends là. Mais ouais, mais si, il est où, mon... Un couteau. Oh, ça, c'est... Oh, la satisfaction, par contre, les gars, de ça, là. Oh, vous sentez le plaisir, là, ou pas? Oh, c'est trop bien. Bon. On laisse pas un peu, ou pas? Parce que j'ai mis 50, c'était 90. Ouais, allez, vas-y. Ah ouais, mais je vais brûler les mains, là. Non? Ok, c'est bon toi. J'en fais quoi de mon poisson? Couper un citron, mettre dans une assiette. On va mettre ça dans ça. Hein. Oh, c'est une assiette à pizza ça, c'est pas grave. Ça fera plus joli. Alors mon poisson. Non, alors attends. Ok. Non, c'est pas ça. C'est ça. Oh, c'est là, c'est chaud là. Alors attends. Ok. Oh putain. Attends. Ouf, allez, ça c'est beau. Ok, donc ça c'est bon. Vas-y, pose-toi. Voilà. Non. Ok. Alors après. Non, j'y suis pas là. S'il a peut-être comme ça. Oui! Wouhou! Oh, ça c'est beau ça! Par contre, c'est trop pénible. Allez! Ok. Du coup, Marcette. Alors, ça, c'est bon. Carte de citron, c'est bon. Décoration du persil. On s'en fout. Allez, on envoie tant que c'est chaud. Non. Vas-y. Oh. Là, je vais avoir une bonne note. Hein. Là, c'est sûr, j'ai une bonne note. C'est mieux, non? Et j'ai gagné des points avec... Quel dressage, merci. J'arrive, ça a l'air trop bon. Ah mais si, merci Berwitt. Il manque des trucs. Au moins, franchement, vaut mieux quoi? Du persil ou manger chaud? Manger chaud. Est-ce qu'on a un pourboire? Non. Putain, toujours pas de pourboire quoi. Mais c'est pas mal. Allez. Tu as gagné suffisamment de points cuisine pour débloquer une nouvelle recette. Oh. Oh, ça va, oh là 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 là. Attends, faut que je... Tends l'ordinateur, attendez, on va chercher la... C'est quoi mon autre recette? Vous avez? Vous n'avez pas? Elle est où ma recette que j'ai gagnée? Bon, je comprends rien, on m'a demandé fini, c'est pas grave. Ok, fermé. C'est pas grave, il y a une commande, c'est plus important. Alors, commande. Putain, on recommence ça. Vu la note du client, tu dois... Alors, du coup... Allez, on reprend tout. Ma poêle qui est propre d'hier. Non, on va la mettre tout de suite sur le feu. Non, on va la mettre à côté parce que je vais encore pas pouvoir mettre... Oh là là, quel bordel dans ces cuisines. Je peux pas mettre... Eh ben si. Alors, de l'huile. Ouais, faut... C'est un peu trop d'huile. Alors, de l'huile. Non, il fallait combien d'huile? De l'huile, il en fallait 10 ml. J'en ai mis 70, ça va. Cette cuisine est un scandale. Mais non, mais elle est très bien, cette cuisine. Alors, attends. Mon saumon.
C'est bon là? Ah non, fallait assaisonner, je crois. Attends, je vais emmener ça, ça va être plus simple. Allez, viens là. Oups. Bon, on va racheter le saumon. Attends. Ou je le ramasse, non? Attendez, on va le passer sous l'eau. Comment je peux passer? Faire tourner? Non. Vas-y, jeter. Vas-y. Comment je fais? Voilà. Voilà, il est... Merde. Attendez. C'est bon, j'ai rassé le saumon. Au moins, il sera pas sale, quoi. Hop. Voilà. Et du coup, il faut du poivre. Hop. Du sel. Ok, c'est bon. Allez, ça on envoie. Ah oui, mais fallait que je fasse les patates. Attends. Ok, donc ça c'est bon. Attends, ça on va fermer. Non. Ça c'était propre aussi. Ah oui, mais attends, ce que... Est-ce que vous croyez que je peux mettre les patates comme ça, dedans ou pas? Patates. Je peux ou pas? Ouais. Une patate et deux patates. On en met combien? 5, hein? 3 pas... Oh! Vous avez vu se lancer? Coucou Jess! Comment ça va? Ouais, je suis au taf. Ouais, je suis au taf. J'ai reçu ton colis! Je l'avais mis sur Discord, mais après j'ai... Enfin bref, je t'expliquerai. Mais j'ai bien reçu ton colis! Alors du coup, non, il manque l'eau. Il manque l'eau. Il en fallait 700, je crois, hein, non? Ok, donc ça, c'est bon. Ouais, il y a de l'eau. Allez, on peut envoyer. Donc ça, c'était, je sais plus la recette. Ah, c'était 120. Ah oui, il fallait du sel dans l'eau. Ok, c'est bon. Alors, hop. Ça... Attends, parce que c'est une galère à régler la minuterie. Alors, attendez, que je... comment on fait déjà? 120. Merde. Ok. On va dire que c'est bon. Et après, ça, ça, c'était bon. C'était assaisonné. On allume. Et il me faut un deuxième minuteur. Et là, c'était, je sais plus, 90, je crois. Allez, mettre le minuteur. Ok, donc ensuite, une assiette. Ok, on est bon là. Hein. Sel, poivre, faire bouillir. Mettre les pommes de terre dans l'assiette, servir chaud. Je pense qu'on est pas mal. Coucou à ton... Ma, ton... Quand tu transformes un 1, tu peux cliquer sur les aliments directement. Ça t'évite de jouer au basket. Ah! Tu as allumé le gaz. Ouais, je crois. Ouais, là, c'est allumé. Et là, c'est allumé, ouais. Ok, donc ça, c'est bon. Après, on va mettre ça pour les patates là-dedans. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu le truc à l'écran? Me dis pas que j'ai une fuite de gaz ou une connerie comme ça. Vous avez vu ou pas? J'ai eu un truc là. J'ai eu un truc bizarre, ça sent pas bon. Du coup, ça doit être pourquoi? Ok. Je pense que j'ai une fuite ou un truc comme ça là, non? Et une patate, deux patates. Ah, mais... Non, mais ma patate, elle est passée en dessous. Bon, c'est pas grave, c'est bien. Au moins, j'ai fait plus de patates qu'il faut. Ok, toi, t'es bon. Du coup, mon assiette. Mais c'est la question, comment j'attrape ma patate? Ah, mais avec la pince, non? Elle est où, la pince que j'avais achetée? Là. Ça, je dois pouvoir attraper une patate avec ça, non?
Utilise le chalumeau. Ah non, mais toi, tu veux que je perde mon restaurant? Attends, ça a l'air d'être... Non, mais c'est trop compliqué. Attends. Je sais ce que je vais faire en fait. Allez! Voilà! Au moins, ça, c'est mes patates chaudes, ça? Je vais pas réussir là, à la prendre, ma patate. Si? Ah si. Ok. Allez! On est bon là. Merde. On va dire deux patates. Non. Non, non, non. Allez. Non. On va y arriver. Ok, ça c'est bon. Attendez, je vais reprendre une patate. Allez. Je vais servir avec une patate. Hein. Oh, c'est pas possible. Hein. Oh, et ce jeu est super dur. Hein. On croit pas comme ça, hein, mais je vous le dis, moi. Voilà. Allez, attends, je vais prendre une deuxième patate. Voilà, et là aussi? Oh non, mais c'est pas beau ça, regardez, il va y avoir trois patates. Ok, c'est bon, allez, on serre. Attention, marchons doucement. Non, le temps, il est pas dépassé. C'est chaud, hein. Lundi, des patates, mardi, des patates. J'ai eu un pourboire! Ah bah oui, mais c'est parce que je me suis mis mon... mon truc pour avoir des pourboires. Bon, en tous les cas, j'ai eu un pourboire quand même, c'est cool. Alors du coup... Ah non, mais c'est tellement chiant ça, par contre, il faut une autre recette, là. Hein. Elle est où, ma casserole? Ah, j'ai deux casseroles, là. Elle est propre ou pas? Ouais. Alors, ma tomate. Je pense que j'ai plus de bouillon. À force, on connaît les recettes par cœur. Hein. Ah si, j'ai du bouillon. Ah bah, j'en ai plus assez. Ok, ça c'est bon. Alors, du bouillon. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est compliqué. Cuisine. Cette cuisine est un méga bordel. Mais pas du tout. Regarde. Tu vois, c'est... Bon, ok, regarde. Hop, ordonner, 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 ordonner. Bon, après... Après, faut pas regarder les détails, quoi. Allez, donc ça c'est bon. Ensuite, du sel. Bon, le seul truc qui est un peu en long en fait, c'est qu'on peut pas prendre plusieurs... bon, je sais pas comment faire. Mais on peut pas prendre plusieurs fruits ensemble. Bon, il me reste combien de temps pour cette... 6 minutes il me reste. J'avais mis 5 tomates, je crois, non? Ou vous savez ou pas comment on peut mettre plusieurs tomates? C'est pas du sel que t'as mis. J'ai mis quoi? Oh, mais j'ai mis du piment cayenne, ce sera très bon. Ça fera un petit, ouais, une petite note du chef, quoi, tu vois? Une petite touche. Touche du chef. Ah merde, ça s'est brûlé. Oh shit. Oups. Ok, attends. Non. Comment je fais? Non, je veux là. Bon, on s'en fout. Allez, Osef. Allez, c'est pas grave. Non.
J'en perds du temps. Trop de stress. Hop, ok. Du coup, on en était à ça. Je sais pas, il faut combien de temps? Merde, j'ai oublié l'oignon. Attends, là, faut savoir vite. Ouf, allez, se tire. 60 secondes. Ok, c'est bon. Ok, ça c'est bon. Coucou Estelle, comment tu vas? Bon, c'est bon là. Ok, ça c'est bon. Et après, il faut mixer. Et après, il me faut le... Et il me faut... Il me faut ça. Ok, donc je vais faire le service ici. On est bon là, il reste combien de temps? 4 minutes. Ah non, il a crème fraîche. Elle est où ma crème fraîche? Je crois que j'en ai plus. Hein. Non, je crois que j'en ai plus. Crème fraîche. Vas-y, on prépare aussi ça là. Hop, ok. Donc là, il reste combien de temps? 3 secondes, mais on va rajouter quelques secondes. Qu'est-ce qu'il y a, Johan? Qu'est-ce qu'il y a? Pas de casse. Non. Regarde ça, c'est nickel, regarde. Hop. Bon, ça, c'est bon. Du coup, on éteint. Hop, on emmène ça là. On met un peu de crème. C'est combien, la crème? Merde, c'est écrit où? Là, 150. Ok. Ça, faut toujours un peu plus de crème, hein, parce que c'est bon, les crèmes. Et c'est là, attendez, je galère toujours avec ce truc-là. Comment on fait? Non? Déplacer vers le bas. Allez, voilà. Tididididi. Ok, c'est bon. Ok, ça on pose. Et là, on serre. Et là, c'est toujours compliqué aussi le service. Alors. Non. Faut en mettre 700, hein. Ok. On marche doucement. On marche doucement. Bon, là, c'est bon, normalement. Ah non, je me suis trompée au début. C'est pas le bon ingrédient que j'ai mis. Goût, tiens, tu vois, note du chef. Allez, pour boire, allez, là, on est pas mal, là. Un client satisfait. Franchement, on progresse. C'est pas bien, ça? Allez, et on enchaîne. Ok, bon, je me prépare pour demain, d'accord. Mais attends, du coup, je voudrais voir la nouvelle recette, là. Vous n'avez pas, mais comment on choisit la recette? Ah, c'est ça. C'est quoi côte de porc et pommes de terre? Se trouve maintenant dans votre magasin, dans le garde-manger. Ok, super. Et ça, je sais pas comment on obtient là. Comment je peux acheter une nouvelle recette? Oh, steak frites, ça me donne faim en plus. Comme quoi, la nette à la place du sel, ça passe, tu vois? Je te dis quand il faut un peu d'imagination du chef. Faut gagner des étoiles. Ah, peut-être, ouais, t'as raison, Kimon. Du coup, pour demain, on range peut-être un peu, ouais. Mais c'est surtout, faut que j'arrive à laver, en fait. Parce que c'est une catastrophe, là. Cette cuisine est une catastrophe. Attends, j'ai combien de temps pour laver? 3 minutes. Ok, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. De toute façon, faut juste faire avec l'éponge pour cuisiner. Il n'y a pas de genre de produit vaisselle ou truc comme ça. Non, ça serait trop poussé, quoi. Non, mais sinon, je rachète, hein. Je sais pas où je vois mes sous. Ok, donc ça, c'est bon. Alors ça, cette poêle, genre, tu vois, ça, c'est pas... C'est caca partout, là. Jeter. Voilà. Alors, du coup, le robinet, voilà. Un peu d'eau chaude.
On prend l'éponge. Non. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Voilà. C'est lavé, non? Ça, c'est lavé aussi. Il se passe des trucs chelous dans cette cuisine. Bon, ok, allez. Hop. Ça, c'est propre. Impeccable. Du coup, on va ranger ça là. C'est propre hein, quand c'est comme ça. Hein. Faut juste passer un coup d'eau. Ça lague beaucoup. Ah. Cuisine à l'éponge. C'est quoi cette idée de mettre du parquet dans une cuisine? Ouais, c'est pour, tu vois, c'est pour un peu plus de fantasy, tu vois. Comme ça, hop, un peu d'huile par terre. Ah mais elle est toujours chaude cette patate. Mais ça dure combien de temps une patate? Ok, ça je peux... Ah ouais, non mais morceau par morceau, c'est quoi, c'est une blague? C'est ça qui manque, un truc genre pour prendre plein de trucs en même temps en fait. Lundi des patates, mardi des patates, mercredi des patates aussi. Vous mangez quoi vous ce midi là en parlant de nourriture là? Parce qu'on parle, enfin on fait de la cuisine. Mais faut parler. Bon, ça doit être propre. Comment on fait déjà pour laver? Nettoyer. Nettoyer, balayer. Non, non, non. Ok, donc ça c'est bon. La fameuse patate chaude. Du cassoulet, omelette. Ah ouais, des crevettes. Ça c'est tellement bon les crevettes. Bon bah ma patate chaude. Bon bah là je pense qu'on est bien. C'est propre ça. Je sais plus. Je pense que c'est propre. Hein. Allez hop, c'est propre. Impeccable. J'ai déjà mangé. Ah, sardines au chocolat. Oh, mais non. Je ne te crois pas. Enfin, quoique, l'autre fois, j'ai quelqu'un qui a bien mangé des chips au Nutella. Donc, bon. Enfin, pain, même, il doit être là. C'est bon, là, jour 2. Allez. Bénéfice repas. On est pas mal, là. Hein. On remonte quand même. Hein. On remonte. De la morue aux fraises. Non, mais arrêtez, vous êtes les pires. Oh. Une chocolatine. Je ne sais pas ce que c'est. Désolée. Bon, alors, compétences. Du coup, on choisit quoi? Meilleur pour boire, non? Non. Épices moins chères, on s'en fout. Réparation moins chère. Produits moins chers. Liquide moins cher. Boost de réputation. Série de plats. Boost de l'expérience, non? Toujours plus de temps, vas-y, alors plus de temps. C'est où le temps? Temps supplémentaire. Ok, on remet toujours ou pas? Je peux pas en fait. Je peux pas. Phase de préparation, ouais, ça on met. Et après on peut mettre quoi? Tolérance au goût. Oh non, ils sont bons mes plats. Salut Blade! Ouh! Comment ça va? Y a pas un truc sur les dosages plus efficaces? Épices moins chères, réparation moins chères, recettes moins chères, produits moins chers, liquides moins chers, boost. Boost de réputation, série de plats, boost de l'expérience. Décoration. Bah non, je crois pas. Ça, non? Boost DPC, des plats? Ouais, ça c'est pas mal, je pense. Allez hop, allez, on enchaîne. En plus, on a une nouvelle recette. Ingrédients moins chers, merde, c'est pas ce que j'ai mis. Alors, du coup, nouvelle journée. Yes.
Allez. Oui, le nouveau truc. Alors, on a 10 minutes pour faire tout ça. Alors, faut quoi? Prendre la côte d'un, sèche, ajouter du truc, l'huile de tournesol, côte de porc, faites revenir, chaque côté, je vais pas réussir à le retourner. Ok, bon, bah déjà, il faut une poêle. Mes poêles. Ok, ma poêle. Ensuite, il faut une côte de porc. Merde, dans mon carton. Une côte de porc. Ah ouais, c'est cher. La côte de porc. Ensuite, il faut du sel, que je me trompe pas. Faut pas trop saler une côte de porc. Si. Ok, côte de porc, du poivre. Maintenant, je fais gaffe, hein. Enfin, quoique, tu vois, là, c'était pas mal, hein. Il a bien aimé l'autre, la soupe, là, avec le piment d'Espelette, hein. Et du thym. Du thym, du thym, du thym. C'est quoi, du thym? Ça? Non. Ça? Non. Ça. Ok. Du thym. Du thym, faut que ça ait goût. 8 grammes. Ouais, c'est bien. 8 grammes. C'était combien du thym? 6. Ouais, ben c'est bon. De l'huile. Bah attends, tiens-toi bien. Hop. Bon. Ah merde, j'ai pas lavé les... Faudrait peut-être que je les lave, non? De l'huile. De l'huile, il en fallait combien? J'entends le bruit derrière. 30, j'en ai pas mis assez. J'étais à combien? 21, non? J'en ai peut-être trop mis, là. Mais c'est pas grave, le gras, c'est bon. Ensuite, faire revenir... Ah ouais, mais attends, on te couper les pommes de terre en petits morceaux, mettre sur une plaque de four pendant... Ah ouais, mais faut que je fasse ça, en fait, avant. Bon, au moins, la côte de porc, elle est prête. Pommes de terre. Oh ouais, satisfaction. Ah, j'ai pas lavé hier. J'ai pas lavé. Sérieux, personne pour le... Mais si, mais non. C'est que personne n'ose. Personne n'ose, Baka. Mais t'inquiète pas, tout le monde pense la même chose. Oh là là, c'est satisfaction. Ah, j'ai dû faire tomber un morceau de patate. Ok, donc ça c'est bon. On y retourne. En fait, j'aurais dû tout mettre en même temps et... C'est pas grave. Allez, le gros bout, là. Ok, ça, c'est bon. Il faut combien? 3 patates, non? 3 patates avec une côte de... Une côte de porc, c'est pas mal, 3. Mais de toute façon, je prends maintenant, je prends que des assiettes de trucs à pizza. Au moins, y a rien qui déborde. Bon, allez. Oh, regardez comment j'arrive à faire ça bien. Vous n'êtes pas impressionné là un peu? Moi, je m'impressionne moi-même. Regardez ça. Oh, par contre, c'est... Attendez ce que... Oh, il me reste combien de temps? Ok, donc les patates. Plaque du four. Elle n'est pas lavée. C'est pas grave. Plaque du four. Ah ouais, mais non, mais là, je vais galérer de fou là. Attendez. Eh, c'est pas mal! Regardez ça! Oui, il y en a un petit bout. Hop! Voilà! Ok, donc ça au four. Attendez, on va mettre dans un four propre. Bah ouais, bah allez hop, ça chauffe. C'était quoi?
80 secondes. Attendez, est-ce que ça, je mets toujours... On va attendre un peu avant de le déclencher. Une gousse d'ail. Poivre et sel, bah, je mettrai après, non? C'est bon, je mettrai après. Allez. C'est quoi le message? Je ne mettrai jamais plus d'extincteur dans le four. Oui, vaut mieux. Alors, donc ça, c'est bon. Fallait mettre quoi? Fallait mettre un peu de sel. Ouais, je salerai après. Donc ça, c'est bon. Donc du coup, la côte de bœuf... Non? Ok. Ok, on va attendre un peu. Ah oui, côte de porc, ouais, pardon, Oscar. C'est pour voir si vous suivez, tu vois. Et puis là, c'est bien, je suis contente, moi, de voir vous suivez la... attends, là-bas, ça cuit. Attends, là, je vais juste le retourner. Allez! Attends, hop, voilà. Donc là, on est bien sur l'autre côté. Vas-y, repose. Vite. Mais c'est... Non. Oui, on arrive. Oui. C'est bon, là. Oui, regardez. Regardez-moi ça, cette belle côte de porc. Attendez. Ok, c'est bon. Ça arrive. Ça arrive. Comment je sors la plaque du four? Ben, en me brûlant les mains. Ok, ça, c'est bon. Ça. Voilà, là-dedans. Toi, tais-toi. Et toi, c'est bon. Du coup, une assiette. Et je vais gérer, là, je pense. Hein. Il me reste combien de temps? 2 minutes. Non. Ok. Ok, donc toi, c'est bon. Ok. Ma petite spatule. Alors là, ça va être délicat, là. Voilà! C'est ça qu'on veut. Ok, ça c'est bon. Après, là-dedans. Allez. Oh, mais ça va être trop long. Attends, je peux pas... rattraper... Mais allez! Bon, c'est pas grave. Du coup. Allez, non, mais on a changé, là. On a changé. Voilà. Je peux pas faire ça plus vite. Bon, il aura pas une grosse portion de patates, hein. Attends, je vais prendre que les gros morceaux. Faut... Non! Bon. Faut... Oh, putain. Oh, voilà, impeccable. Je sais pas comment j'ai fait, mais c'est très bien. Faut juste que je pense à resaler. Voilà, on va remettre un autre morceau. Ah oui. Ça fait une belle assiette, là. Il y en a assez, non? Oh, dépêche-toi! Non! 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 Putain! Mais c'est quoi ces assiettes de caca, là? Non, mais là, c'est bon, je suis ruinée, là. Ok. 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 Oh! Attends, comment j'ai fait? Oh! C'est une blague? Non! J'ai le droit de dire double drama, ouais. Oh non, mais c'est quoi ce jeu?
Merci Oscar pour ton subscribe. Merci pour tes 2 mois, gros cœur. Merci beaucoup. Oh non, mais je suis super dégoûtée là par contre. On y était presque. Le jeu voulait plus toi et c'est ça. Je pourris tellement le jeu, je pourris tellement la cuisine que c'est mort quoi. Merci beaucoup en tous les cas Oscar. Oh non. Oh, c'est peut-être un signe, hein. Non mais c'est un signe pour que je cuisine pas. Non mais je savais, hein. Tu sais, il y a des gens qui sont faits pour la cuisine et il y a des gens qui sont faits pour autre chose. Ben, voilà. Je suis pas faite pour la cuisine, que ça soit en vrai ou en jeu. Oh là là, attends, je peux pas reprendre ma chargée jeu, je dois pouvoir reprendre ma... Oh non, je suis deg parce qu'on y était, ouais. Les patates étaient même pas salées. Oui, bon, d'accord, presque, Elzig. Presque. Oh non, je suis deg. Oh non, je suis trop triste, là. Il y avait écrit quoi? Mince, j'ai appuyé dessus sans... Nouvelle commande. Oh là là, mais du coup, attends, faut que je revoie tous mes trucs qui sont... Oh non. Bon, vas-y, on va la prendre. Au moins, le positif, c'est qu'on sait quoi faire. On va voir les choses du bon côté. Mais je suis deg quand même, hein. Ok, ça. L'huile, il en fallait combien? Au moins, je vais essayer de faire ça bien. C'est vrai que j'aurais pu commencer par les pommes de terre. Attends, ça, on va le refoutre là-dedans. Ok. On va prendre ça. Pour couper les pommes de terre. Oh là là, on y était, quoi. On était sur la fin. On était sur la fin, les gars. Je vous ai tout refaire. Allez, on va faire mieux. On va essayer de pas casser l'assiette au niveau du dressage. Mais sinon... Ah, mais non, mais je sais ce que j'aurais dû faire, en fait. J'aurais dû pencher la plaque à four. Au lieu d'essayer de transverser... J'aurais dû faire ça. Attends, on va mettre un peu plus de patates. Ok, ma plaque à four, là. C'est ça, en fait, qu'il faut que j'essaye. Il faut que j'essaye que... Attends, là, je vais en mettre partout. Oh, mais ça, par contre, c'est vraiment la satisfaction de ce jeu, quoi. Oh, ce plaisir, les gars. 2 patates, tu penses que ça suffit? Oui, mais au moins, tu vois, si j'en mets par terre... Je vais pouvoir, tu vois, il y aura du surplus, quoi. Du surplus. Tu vois, faut être prévoyant. Bon, c'est pas mal, là. Oh, c'est vraiment un plaisir, hein, je vous assure. J'ai pas envie d'arrêter. Ah. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Alors. Ok. Donc, ça. Tu vois, regarde. Au moins, avec 2 patates, si j'aurais tout mis à côté, bah, ça aurait été plus galère. Bon. On peut choisir là où on le met? Non. Ok, donc ça on ferme. Allez, on envoie. On envoie pour les patates 80 secondes. J'ai pas salé! J'ai pas salé, c'est pas grave. Hop, j'ai pas salé, pas grave. Je vais juste prendre du coup... Non, alors attendez, c'est pas grave. Les nains, du coup, l'huile... Ah là, je suis stressée. Alors attendez, l'huile de tournesol, 30. Il y en a 34. Bon, là, je peux rien poser sur le...
Ok, donc ça c'est bon. Faut mettre du sel, du poivre et du thym. Oh. Du thym parce que c'est bon. Du sel. Ok, c'est bon. Oh, mais c'est déjà chaud là-bas ? Ah mais j'avais mis un peu moins. Ok, donc ça on va dire que c'est bon. Du coup, ça, je sais plus c'est combien. On va mettre 50 aussi, je sais plus c'est combien, c'est pas grave. C'était la côte... Ah oui, et puis il faut la... Ok. Il faut retourner la côte. Allez, ça c'est la maîtrise. Ok, donc ça c'est bon. Après, on prend une grande assiette. Je le sens bien là, les gars. Je le sens bien. Alors attendez. La grande assiette, on va prendre ça. Voilà, voilà pourquoi faut... pourquoi il faut prendre plus de... Ok, la spatule. Ok, donc toi, tais-toi, la spatule. Je le sens bien. Là, on est bien parti, hein. Ok, ça c'est bon. Pommes de terre, four, assiette. Allez, hop. Et on n'a pas une belle assiette, là? C'est pas beau, ça? J'ai pas ressalé. Merde. Score général. Mais comment ça se fait, goût? Mais pourquoi? Mais c'était bon, pourtant. Ouais, ouais. C'est parce que j'ai pas salé. En plus, j'avais grave le time, hein, en vrai. Le sel, c'est la vie. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est pas bien de manger trop salé. Nouvelle commande. Bon, on y retourne. Allez, on y retourne. Bon, on va garder dans les mêmes trucs, hein. On va remettre peut-être un peu d'huile. Ok, donc ça c'est bon. On va reprendre une côte de porc. Donc bien, bien penser à saler les... Ah merde, elle est pas saisonnée. Bon, c'est, attendez. Elle est où ma côte? J'ai pas acheté? Côte de porc, acheté. Ah mais non, je l'avais peut-être pas acheté. Je trouve le jeu injuste. Ah, on est d'accord. On est d'accord. Donc attends, allez-y, attends, on va la faire bien le... Oh mais non, mais c'est du saumon. C'est du saumon. Bon, bah, tant pis. Allez. C'est du saumon, merde. Ah bah oui, mais faut peut-être que je prenne mon saumon. Ça sera mieux, non? Alors, du saumon. Ok. Alors, du coup, après, le sel. Je sais plus c'était combien. J'ai trop salé, je pense. C'est pas grave. Donc, après, du poivre. Il est où, le poivre? Ok, le poivre, c'est bon. Et si on mettait un peu d'aneth? Non, c'est bon, l'aneth, avec du saumon. Allez. Donc, ça, c'est bon. Alors, sel, poivre, mettre dans une poêle avec de l'huile. J'ai mis de l'huile ou pas? Je crois pas. Alors...
j'en ai mis que 7. Fallait 10. Moi, je dis avec la nette, ça va me donner des points. Parce que saumon à nette, c'est pas genre grave bon. Ok, donc ça... J'aurais dû faire les pommes de terre. Ok, merde, ça, faut mettre de l'eau. Ah, flûte. J'ai pas vu combien il en fallait. 1 litre, ça doit être bon, hein. Alors, ça, on met ça là. Des pommes de terre. J'allais prendre d'elles, mais peut-être pas, hein. Pommes de terre. Ah si, bah tiens, 1 litre. Impeccable, c'est ce qu'il fallait. Une couche de 2% sur du saumon. Après cuisson. Ah ouais? Mais ça fait pas refroidir ton saumon? Je mets combien de pommes de terre? 3? Peut-être 4? Allez, 4 pommes de terre, donc on est faire bouillir pendant 120. Mais c'est trop nul. Oh. Ok. Ok, donc les tomates pendant 120. Non, pas les tomates, les pommes de terre. Mais si, il y a de l'eau, Bénave. Si, si. Le sel! Le sel, bien vu, le sel. Je peux en mettre encore là ou pas? Ouais. J'en ai peut-être trop mis. Mais c'est pas grave, c'est bon, il y a du sel. Je t'ai inscrit pour la première. Ah bah merci Oli, super. Ça va m'aider ça. C'est, j'ai une future carrière dans la cuisine. Alors, bon bah ça c'est bon. Du coup, on va pouvoir faire le saumon. J'ai mis de l'huile dans le saumon ou pas? Ah oui, huile de tournesol. J'en ai mis 4, il y en a assez ou pas? 10. Ok, bon, on va dire que c'est bon. Elle est vraiment dégueulasse, cette cuisine. Hein. Ah, c'est pas le bon. Hop. Ok, donc il va falloir que je retourne ça. Ça, c'est bon. Elle est où, mon truc pour essorer, là? Là. Enfin, pas pour essorer, mais pour égoutter. Voilà. On est pas mal, là. Il y a des critiques gastronomiques plus tard dans le jeu. Ah! Ah oui, puis j'ai pas fait tout ça, là. Oh! Attends, on va se mettre sur un autre côté de la cuisine. Voilà, on va se mettre là. Donc, du coup, une assiette. On va toujours prendre la plus grande, hein, c'est mieux. Hein. Ok, donc je vais prendre ça pour retourner le saumon. Ok, impeccable. Oups. Ça commence à devenir une catastrophe là un peu. Ok, donc ça c'est bon. Là. Allez hop, 2. Ok, je peux attraper une patate avec ça, je sais plus. Ah oui, si je peux. J'ai mon saumon qui est en train de brûler. Bon.
Ok, donc ça c'est bon. Ça. On est pas mal là, je pense, non? Il me reste combien de temps? Non, on est pas mal, on n'est pas bien. Hop, on n'a rien vu. Allez, hop. Ok, donc ça. Ah si, remarque, je peux pas attraper une patate avec ça? Là, je pense qu'on est bien. Ça, c'est un plat qui donne envie. Hein. Ah, ça, je pense qu'on est pas mal. Alors, oh, tendre, oh, eh, c'est pas mal, il y a du progrès là. Allez, je lui ai un pourboire. Là, on est bien. Hein. Mais je sais pas en goût comment t'améliores le goût parce que. Parce que pourtant j'ai mis de la nette, j'ai mis du poivre, du sel. On lui redit pour l'idée de prendre l'assiette, de mettre les ingrédients dedans. Et genre, j'envoie comme ça? Tu mets plus de sel pourtant. Et franchement, pas le temps, j'en ai mis vachement plus que ce qu'il y avait déjà. Hein. Oh là là, et c'est fatigant. Hein. Y a pas un balai? Est-ce qu'il vendrait pas un balai? Non. Jeter. Mais dedans, t'as pas un balai? Pour laver là, parce que c'est vraiment une galère. Hein. Des patates, faut blinder de sel. Bah oui, mais pourtant, c'est qu'ils disent les... Tu sais, les doses. Bon, il n'y a pas de balai. Donc, comment je lave tout ça? Je peux pas laver à l'éponge, quand même, tout ça, là. Oh là là, cette cuisine dégueulasse, quoi. Je peux pas prendre l'éponge. J'ai plus d'éponge. Comment on fait pour laver? Je sais même plus comment on fait. Hein. Bon, ok, ça c'est propre. Ensuite. Juste si on rince un lot, ça nettoie, non? C'est quoi un balai? Bah, c'est pour laver. Oh non! Mais je sais pas si on peut laver les ustensiles avec la... Ok, donc ça, vas-y, vite toi. Ok, impeccable. Et bah ça, c'est propre. Ensuite, Ok, ça, c'est bon. Allez, toi, là-dedans. Vas-y. Est-ce que ça va la casser si je la jette? Ah oui. Bah oui, maintenant j'ai tout ça sur la main. Super. Là, je peux laver ou pas? Il y a un truc que je piche pas, c'est comment on lave. Éponge, attraper l'outil. Oui, mais je voudrais laver. Je sais pas. Si quelqu'un sait comment on utilise l'éponge, genre je prends. Hein. Bon, ça c'est propre. Ensuite. Non. Il y a personne qui sait comment on lave. Oh là là, c'est catastrophe quoi. Oh, regardez-moi l'état de ce truc. Ça lave, non? Je pense que ça lave, hein. Ok, ça c'est bon. Elle pose des questions, mais elle lit pas les réponses. Si, personne m'a répondu. Ah si, t'es sûr?
Bon, attends. Alors... Alors, voyons voir ça. Et E. Je suis pas convaincue. Hein. Tu nous connais pas encore assez. Mais je crois qu'on est tous dans le même, tu vois, dans le même truc. Hein, tu vois, où on... Voilà quoi. Si je vous pose des questions, c'est que... Parce que je ne sais pas. Oh là là. Attends. Ah bah voilà. Comment terminer? Et j'arrive pas loin de avoir une étoile, non? On a fait des bénéfs. On a même fait des bénéfs. Il y a un balai à droite du frigo, tu déconnes. Ah bah attends. J'ai pas vu qu'il y avait un balai. On est pas mal là. Le tout déjà, c'est qu'on a, on a déjà réussi à... Oh, merci pour tes bêtes, Spalton. Merci. Déjà là, on est pas mal, c'est qu'on n'a pas fermé, tu vois. On n'a pas fermé déjà, c'est pas mal. Mais t'as dit, il y a un... Ah ouais. Nettoyer, balayer. Oh, merde. Oh non. Il y a pas de recette, hein. Si, il y a une recette qui est arrivée. Merde. Bon. Nettoyer, balayer, tout casser. Oh non, on refait ça. Elle n'est pas encore là, ma côte. Elle doit être encore bonne, hein. Oh, c'est une catastrophe, cette cuisine. Alors, de l'huile. Alors, de l'huile. Ajouter de l'huile. J'en ai pas mis assez, il en faut 30. On va essayer de faire un truc du... On va essayer d'innover... du piment d'Espelette là-dedans, ça peut être bon? Pour donner du goût sur une côte de porc, non? La nette, non? Alors, du poivre. J'en ai mis un peu plus. Du sel. Du piment d'Espelette, ça peut le faire. Ah mais c'est pas grave, j'ai encore deux autres fours qui marchent là. On va, il y a pas besoin. Moi je dis piment d'Espelette, ça peut le faire. Vous êtes pas d'accord? Ouais, ça peut. Voilà, on est d'accord. Alors du piment d'Espelette. Non mais combien? Allez, ça c'est bon. Ensuite, ah oui, non mais là c'est chiant, c'est qu'il faut découper les pommes de terre. Alors attends, vous croyez que je peux reprendre ces... Ah ouais, mais non, elles étaient cuites. Attends, on va se mettre là. Est-ce que les trucs, ils moisissent quand ils sont pas... quand ils sont laissés? Ce serait drôle, ça, s'il y a la moisissure. Dans la vie aussi. Ah bon? Ça se tente. Ah ouais, tu penses, Oscar? Ouais, mais là, ce qui est chiant, c'est que je dois ramasser un par un. Tu vois? Je pense que j'ai moins de temps. Attends. Non, je peux pas les couper sans... Oh non, sans... Sérieux?
Oh non. Bah finalement, on peut peut-être. Attends, est-ce que j'ai une autre plaque de four quelque part? Attends. Ça va en fait, ça va vite. T'as raison, Oscar, on va faire ça. On va les remettre au four. Là, c'est bon, ça fait une bonne portion, là. Je pense que c'est pas mal, là. Attends, on va les ressaler et tout. On va les réassaisonner. Attends, le sel. Voilà, bien salé. Du piment d'Espelette sur des patates. Je sais pas. Attends, on va regarder la recette après. Je sais pas s'il y a du... Ouais, il doit y avoir des desserts, non? Je sais pas si c'est que du salé ou s'il y a des... Et un peu de poivre. Ok. Vas-y, donc ça au four. Ok. Combien de temps au four? 80 secondes. Alors... Ah bah attends, on va mettre ça. Ok, donc 80 secondes. Et l'autre, c'était combien de temps? Je sais pas. Mais les autres, 50. Donc ça, c'est bon. Et après, mon truc pour retourner. Je pense que ça peut le faire, hein. Je pense qu'on a gagné du temps. T'as raison, Oscar. On tient un truc, là. C'est quoi les tâches ou ça? Tu parles de quoi? Moi je vois pas. Tu parles de tâches où? Où? Tu vois des tâches où? Je vois pas quoi tu parles. Mets un peu de chantilly. Oh non. Je sais pas, remarque si on peut acheter de l'assaisonnement. Ça se trouve, on peut acheter de l'assaisonnement autre que ce qu'il y a déjà. Attends, vas-y, je regarde vite fait. Épices. Du réfort! C'est quoi ça? Je sais même pas ce que c'est. C'est quoi du réfort? Vous savez? Bon, attendez. On va retourner ça. Voilà! Ok, donc ça c'est bon. On va prendre une grande assiette. On va s'installer où là? Ok, une grande assiette. Là, ça doit être bon pour le four. Hein. Ok, ça c'est bon. Attends, on va juste ramasser ce petit... Ah ouais, je peux pas. Ok, ça c'est bon. Ça. Et allez! Bon, attends, on va voir comment c'est noté. Merde. Attends, faut pas que je casse la... Hop! Avec les patates de la veille. C'est quoi? C'est une sorte de radis. Hein. Du radis épicé. Ah, on aurait pu mettre ça, hein. Remarque. Non? Bon, c'est pas grave maintenant. On va voir ça donne quoi. Goût! Un et demi la bouffe, le goût. On n'a pas eu de pourboire. Hein. Je sais pas si c'était une bonne idée, Oscar. Hein. Oh là là. Ok, nouvelle commande. Bon, ça va, elles vont vite. Alors. Donc il faut du truc de poulet.
Mais non, il n'y en a plus. Allez, comme par hasard. Du truc de poulet. Acheter. Alors. Du truc de poulet. De toute façon, je pense qu'on va... Ah oui, il est 14 ans, on va arrêter après sur ça. Alors, on va juste essayer de faire une belle note. Et attends, soupe de tomate, le radis, là, dans la soupe de tomate, ça peut le faire, non? Vous pensez pas? Moi, je pense que ça peut le faire. Pour qu'il y ait un meilleur goût. Ok, ça, les tomates. C'est catastrophe, ces cuisines. Je sais pas s'il y a un... Tu sais, genre, il y a quelqu'un qui peut venir visiter ta cuisine et, tu sais, t'enlever ton resto si t'as... T'as un truc des sanitaires, là. Comment ça s'appelle, un... Ah bah c'est pas très sympa ça, Berwot. Bon allez, ça c'est bon. Ah non, il manque de la crème je crois. Ah non, faut faire bouillir. Attends, de mémoire. Ok, donc ça là, hop. Faire bouillir, je sais pas, on va mettre de toute façon, je mets toujours la même... Hop. Alors, sel, poivre, ah le piment de Cayenne. Alors, piment cayenne, poudre, tomate, oignon. Merde, l'oignon. Ah bah, de toute façon, j'ai pas mis le bon gaz. Hop, c'est bon, impeccable. Alors, ça, faire bouillir 60 secondes. Donc, on va laisser un peu plus, ajouter la crème et verser liquide. Alors, attendez, on va acheter de la crème parce que je dois plus en avoir. Et après, il faut une assiette comme ça. Et ensuite, verser liquide, nananana, et mixer. Attends, on laisse encore 10 secondes de plus. Vous pensez pas avec mauvais feu? Ah ouais, vous, oui, pardon. Et avec l'oignon, le radis, contrôle d'hygiène, ouais, inspecteur de l'hygiène, ouais, c'est ça. Bon, là, les 10 secondes supplémentaires, ça doit être bon, hein. Donc ça, on pose ça là, ça, où je mets toujours, je sais pas combien de temps à... Comment on fait déjà? Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Eh, j'ai jamais lavé, tiens, le mixeur. Ok, ça que c'est... Bon, attends. Hop. De la crème, il en faut combien de crème? 150. Ok, c'est bon. Impeccable. Tout est maîtrisé. Ça, puis c'est bon, hein. Je pense que celle-ci, elle est bonne. Et ben voilà. Et en plus, là, on passe en renommée. Et ben impeccable. C'est pas une belle fin, ça? Le seul, on s'en fout. On n'a rien vu. Hey! Une bonne recette pour la fin. Level up. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Eh ben, je suis contente. Au moins, on termine sur une belle recette. Sur un beau truc. Ouais, c'est magnifique. Ah oui. Oh, merci Benaf pour ton subscribe. Bienvenue, merci. Ouais, ça fait déjà 2 heures. Ça fait déjà 2 heures. Bon, j'espère que vous viendrez manger dans mon restaurant en tout cas. Un petit clic pour les réclamations, fais voir, vas-y. Ah, on peut voir ce qui va pas, soupe de tomates. Ouais, il y avait trop de crème, pas assez de tomates et pas assez de poivre. Mauvaise qualité du produit. Bon.
Et température trop froid, bah je peux pas faire mieux. En température, non? T'as assuré comme un chef. Oh, c'est trop gentil, Anton. Merci. C'est trop bizarre parce que, eh, franchement, servir froid, ah mais c'est parce que j'ai mis trop crème, je pense en fait. Ou j'aurais dû réchauffer derrière. Je viens d'un resto, mais c'est moi qui cuisine. Bon, c'est vrai. Ouais, j'avais pas pensé à regarder ce qui allait pas dans chaque produit. Enfin. Bon, allez, en tous les cas, moi, je vous laisse pour ce dernier stream de la semaine. Merci d'avoir été présent. Merci pour vos abos, en tous les cas. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et merci de m'avoir aidé, en tout cas, hein, parce que ça a été compliqué. Bon, en tous les cas, je vous fais des gros car-car-car. Gros car à tous. Et puis, je vous souhaite un bon après-midi. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Bonne fête de la musique. Et pour ceux qui participent. Et puis, voilà. Gros bisous à tous. Car-car-car. Bon vendredi après-midi. Et bon week-end. À la semaine prochaine.